c'est un petit voyage et il faut toujours se déguiser ou masquer son visage lorsqu'on part en voyage chamanique, car il faut se protéger des entités malfaisantes. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est New Pagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous exposer un peu ma théorie, ma façon de penser sur le chamanisme et le paganisme. Des choses qui sont très très liées. Certaines personnes, eh bien, n'admettent pas cette connexion. Aujourd'hui, le mot chaman, eh bien, il fait beaucoup grincer les dents de par l'appropriation culturelle. Chamanisme, qui rime beaucoup avec charlatan. Pour beaucoup de personnes, le chamanisme n'est pas du tout pour les occidentaux. C'est réservé exclusivement au peuple de Sibérie, les Amérindiens, voilà, c'est quelque chose qui est à eux, c'est leur culture, et nous, occidentaux, ce n'est pas la nôtre. Et alors, en plus de ça, si tu fais le rapprochement des Celtes, des Nordiques et du chamanisme, alors là, on va te jeter des pierres. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais essayer de démontrer, c'est que le chamanisme est bel et bien ancré dans toutes ces spiritualités, dans toutes ces religions, et que le chamanisme est tout simplement la croyance primordiale. Alors le chaman, je vais tout du long parler de chaman, de chamanisme. Ce terme, pour moi aujourd'hui, c'est un terme générique, eh bien, pour désigner cette espèce de vieux sage qui détient les clés de la sagesse, du savoir, qui a la capacité, eh bien, de voyager ou de parler aux esprits. Son rôle va être de conseiller, de soigner, ou eh bien d'apporter des réponses à des questions. Je dis chaman, mais dans toutes les cultures, eh bien, ce mot va changer, le chaman va être appelé différemment suivant les cultures. Alors le chaman, il faut savoir que ça vient déjà des croyances animistes. Animiste, c'est tout simplement le fait de penser tout ce qui nous entoure, tout ce qui est tout ce qui est naturel, eh bien est habité par une âme, une énergie, un esprit. Bien, ce tambour qui est fait en, ça résonne, qui est fait en peau de chèvre, mais aussi l'encadrage du bois d'être. Et en plus de ça, on a cette petite fourrure de lapin. Eh bien, ce tambour est habité par environ trois esprits, trois énergies. Donc ce tambour, eh bien, est doué d'une conscience ou d'une énergie vivante en tout cas. C'est pareil pour un arbre qui a lui-même sa propre énergie, son propre esprit. Une pierre est aussi habitée par une énergie ancestrale, vieille de plus de millions d'années. Enfin voilà, tout ce qui nous entoure est habité par un esprit. De plus, il y a des esprits primordiaux. Je pense par exemple au soleil, à la lune, le ciel. Voilà, tout ça, ce sont des esprits qui portent des noms différents dans les cultures et qui sont toutes respectées, idolâtrées. Il faut savoir que l'animisme, eh bien, c'est la plus ancienne croyance. On pourrait la dater pratiquement à l'ère néolithique, si ce n'est pas même plus ancien que ça. Donc voilà, cette croyance était partout, dans tous les peuples, dans toutes les tribus, les clans. Voilà, il y avait toujours cette pensée presque universelle, je dirais. Et dans toutes ces tribus, il y avait toujours un vieux sage qui était doué bien de sagesse, de connaissance, et qui avait ce rôle de chaman. Plus tard, cette croyance s'est un peu transformée et s'est ensuite appelée le paganisme. Le paganisme, c'est vraiment un mélange d'animisme et en même temps, eh bien, de religion, tout simplement. On a tout simplement, en fait, donné des traits humains, je dirais, eh bien, aux grands esprits qui nous entourent. Je pense, par exemple, au dieu du ciel, qu'on a ensuite appelé Odin, qu'on a tout simplement, eh bien, culturisé un petit peu, suivant la culture du peuple. Par exemple, Odin a des attraits bien à lui. Il sera différent, par exemple, de chez les Slaves, qui ont un équivalent, mais qui n'aura peut-être pas forcément les mêmes attributs culturels. Je pense aussi chez les Amérindiens, au Wakantaka, qui est un petit peu leur Odin à eux, mais qui est différent des Nordiques. Donc voilà, on peut vraiment trouver énormément de similitudes et de différences suivant les divinités, les esprits des cultures différentes, mais globalement, qui sont très très liées. Dans toutes les cultures, on a aussi cette notion d'arbre de vie, donc pratiquement toutes les cultures. L'arbre de vie est présent donc chez les Nordiques, chez les Germains et chez les Celtes pour les Européens. Cet arbre est présent dans pratiquement toutes les cultures et il représente un peu l'équilibre, l'axe de la vie de la Terre. Mais c'est en fait, eh bien, le passage
à travers les mondes qui nous entourent. Voilà, Midgard est au centre de cet arbre. Et en haut, on va retrouver tous les mondes supérieurs, avec le monde des dieux, le monde des ases, le monde des vannes, le monde des alfes, et en dessous, des mondes un peu plus obscurs, Helheim, Niflheim, etc., etc. Dans le chamanisme, c'est un peu pareil. Lorsqu'on parle de voyage, en général, on dit souvent que le monde d'en haut est constitué de mondes où il y a donc nos divinités, nos ancêtres, les guides spirituels, etc. Et que dans le monde d'en bas, il y a en général nos animaux totems ou dans une forêt assez sombre, assez ancienne. Donc vous voyez déjà qu'on est dans quelque chose assez de sombre, de très tribal en fin de compte. Voilà. Pour la petite parenthèse de l'arbre de vie. Ce que j'aimerais à présent vous partager, c'est tout simplement que le chamanisme est présent dans le monde antique. Je vais tout simplement m'appuyer sur le livre de Mélanie Chéreau, donc la Bible du chamanisme, où elle a tout simplement référencé tous les chamans du monde entier dans les peuples et les pays différents. Commençons tout simplement par le plus connu, donc en Mongolie, où le chaman appelé Bog est investi de nombreux pouvoirs. Il tremble pendant ses danses extatiques, imite les cris d'animaux, chante lors des transes en maniant le tambour. Donc ça, c'est un peu le chaman que tout le monde connaît. C'est un petit peu devenu la référence, et j'ai même envie de dire le stéréotype du chaman. Les Khalkhas sont l'ethnie majoritaire de Mongolie, dont le chamanisme a énormément souffert du bouddhisme. Les Darkhat, très proches des Touva, étaient des peuples préférés de Genghis Khan, le fondateur de l'empire mongol. Leur chaman a été peu influencé par le bouddhisme. Donc il existe trois catégories de chamans, le Tergerlbu, chaman céleste, les Angou, en lien avec les esprits ancestraux, et les Lou, davantage avec les esprits de la nature et non humains. Continuons en Asie, avec la Corée du Sud. La pratique chamanique est appelée le Muisme, dérivé de la religion du Mu. Elle est endossée la plupart du temps par une femme nommée Mudang. Les hommes sont quant à eux appelés Sana Mudang, ou Baksu, ce qui veut dire guérisseur. Le chaman est l'intermédiaire avec les esprits, elle attire la bonne fortune, guérit les maladies et s'adresse aux esprits de toutes sortes, même de personnes célèbres défuntes. Au Japon, les chamans du peuple Ainu étaient à la fois très puissants et dotés de pouvoirs surnaturels. En Chine, le chaman Wu, ou sorcier, sont présents depuis les temps très anciens. Habiles, divinateurs, ils sont encore en exercice aujourd'hui et pratiquent le wuisme. Le terme Wu s'appliquait aux femmes et Xi aux hommes. Au Tibet, dans les régions voisines, le chamanisme existait bien avant le bouddhisme et ces deux courants se sont associés pour donner la religion Bon. C'est un chaman originel appelé Sewang Shirang Miwuk. Compliqué. Au Népal, beaucoup consultent le chaman appelé majoritairement Dami ou Jangkankri. On peut continuer avec la Thaïlande et la Philippine. Mais on va aussi s'attarder sur l'Australie et l'Océanie. Le chaman est un homme de haut degré. Il suit des initiatives très élaborées tout au long de sa vie. Le guérisseur appelé Yangongkakri, utilise de nombreux objets qui sont consacrés comme des coquillages, des cristaux, des peaux de serpent et le bukur, sorte de rouleau de corde magique. En Nouvelle-Zélande, le chaman Tohunga est encore consulté aujourd'hui et tout son savoir n'a pas disparu grâce à de nombreuses années passées dans la clandestinité. En Papouasie, Nouvelle-Guinée, le chaman guérisseur sont appelés les hommes de verre ou hommes sacrés secrets. On continue avec l'Amérique du Nord, bon ça c'est pas un secret. Les Sénécas dans le nord des États-Unis sont issus de la nation iroquoise. Ils entretiennent une tradition d'alliance avec les animaux médecine et pratiquent des danses rituelles avec des costumes richement ornés de plumes. Les Ojibwe, au nord des États-Unis et au sud Canada, sont connus pour leur médecine, par les plantes et leur don guérison, soumis au bon vouloir des esprits Manitou. Bref, en Amérique, il y a énormément de chamans et de mots pour désigner le chaman, donc on va pas s'attarder dessus. On a bien évidemment l'Amérique du Sud, les peuples racines, l'ayahuasca, tout ça, ça vient de là. Pareil, je vais sauter parce que c'est pas nouveau. On a bien évidemment l'Afrique. Au Gabon, les traditions sont teintées de chrétienté, mais les chamans continuent encore aujourd'hui à perpétuer les savoirs. Dans la tradition Biwiti, les jeunes initiés, le Bongzi, homme ou femme, accèdent après un long parcours initiatique au grade de Nimana Kambwe. On a aussi les Buchiman en Afrique du Sud, les Yorubas qui vivent dans l'Afrique de l'Ouest, les Punu, peuple d'Afrique centrale, etc., etc. Donc vous avez vu que là, déjà, on a couvert pas mal le nord du monde. Toute l'Amérique
nord, sud, centrale, toute la Sibérie, etc., l'Océanie. Mais qu'en est-il de l'Europe? Pour parler un peu des peuples nordiques, donc les Scandinaves, globalement, on voit l'attrait chamanique chez les Volva, donc qui sont un peu les prêtresses, les sorcières, donc chez les Scandinaves. Il faut savoir qu'il y a un peuple voisin donc des Scandinaves qui a leur propre chaman. Il s'agit des Samis, donc c'est un peuple nordique pratiquant une religion traditionnelle animiste et polythéiste avant d'être christianisé. Leurs chamans qui existent encore aujourd'hui sont appelés Noadi. Ils entrent en transe au son du tambour en utilisant un chant, le Joik, plutôt spontané et vocalisant pour accorder avec l'autre monde. Ça démontre un peu ce que tout au long des vidéos, ce que j'ai voulu démontrer, c'est que le monde scandinave a bel et bien des origines et une culture animiste chamanique. Donc le tambour, tout ça, j'ai été beaucoup critiqué pour ça, parce que pour eux le tambour est un tambour sacré qui est uniquement pour les peuples amérindiens ou de Sibérie, mais le peuple des Samis possède leur chaman et leur tambour ainsi que leur propre moyen de transe. Pour parler maintenant de l'Europe centrale, donc la France, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Donc faut savoir que nos plus gros ancêtres, ce sont les Celtes et les Germains. Les Germains, on les rattache aux Scandinaves parce que bien leur culture, leur croyance est presque identique à celle des Scandinaves, donc à la mythologie nordique. Mais qu'en est-il des Celtes? Les origines indo-européennes d'un peuple archaïque ayant pour berceau la culture Yamna en Asie centrale auraient donné d'un côté une population se dirigeant vers l'ouest, les ancêtres des Celtes, et de l'autre, les futurs hindous vers le sud-est. L'auteur Matthew Alford, spécialiste des Celtes, précise d'emblée que l'origine du druidisme est très proche des religions hindoues, thèse largement inspirée des écrits de Mircea Eliade, qu'il cite « On retrouve en Irlande nombre d'idées et de coutumes attestées dans l'Inde ancienne. Le druidisme est défini par divers auteurs à la fois comme une science, une philosophie, une religion et une métaphysique plus élevée. Ce druidisme est en fait religieux, propre au monde celtique, et le fait dominant de la société celtique était la force du facteur religieux, exactement comme dans la société indienne. On retrouve notamment le but du chemin druidique qui est atteint de plénitude grâce à une attitude vertueuse et par succession de cycles de vie. Le Gwenwed est un état non-duel où esprit et matière non indissociés qui n'est pas sans rappeler l'éveil recherché dans l'hindouisme et le bouddhisme. Mais si on se fait une idée du chamanisme comme étant un regroupement des faits religieux, de croyances et de rituels remontant à l'ère préhistorique, alors le druidisme s'est certainement appuyé sur quelques traces millénaires, de même que le panthéon celte avec ses nombreux dieux, dont certains reliés à la guerre, s'est sûrement inspiré de divinités ancestrales telles que Cernunnos, le dieu au bois de serre. On a découvert beaucoup de peintures rupestres représentant des personnages au bois de serre. On en retrouve aussi dans les tombes néolithiques, car les bois de serre sont liés à l'idée de la mort et de renaissance. Donc bref, je vais pas continuer plus longtemps. Voilà, beaucoup de personnes se refusent à croire que le druidisme et le chamanisme sont liés. Pourtant, lorsqu'on remonte bien plus loin que ce druidisme que l'on connaît de par les Romains, etc., si l'on remonte vraiment à l'époque des proto-celtes, eh bien, on peut vraiment comprendre que le druidisme est tout simplement l'évolution du chamanisme, en fait. Pour revenir un peu à cet arbre de vie que je vous expliquais au début, qui est pour moi, en fait, tout simplement, le chemin des mondes invisibles. Tout simplement, si vous voulez monter, rencontrer vos dieux, il faudra tout simplement monter dans les mondes invisibles, en escaladant Yggdrasil, par exemple. J'aimerais vous faire ce rapprochement qui est dans l'Edda, avec ce roi qui veut rencontrer Odin. J'aimerais vous faire tout simplement ce parallèle avec la transe chamanique et ce passage que je vais vous lire. Le roi Gylfi régnait sur les contrées situées dans le pays qui porte à présent le nom de Suède. Déjà, on plante le décor, on est tout simplement à Midgard, sur notre monde, en Suède. Le roi Gylfi était un homme intelligent et versé dans la magie. S'étonnait grandement que le peuple des As possédait une science telle que tout se déroulait selon leur volonté. Alors là, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce Gylfi, il s'interroge au sujet des As. Comment cela se fait que nos dieux, les As, ont une telle connaissance et une telle avancée
scientifique, comme ils le disent ici, mais aussi que eh bien, ce roi, eh bien, il verse dans la magie. C'est assez marrant d'utiliser le mot magie pour qualifier le roi et le terme de science pour qualifier nos dieux. Il se demanda si cela tenait à leur nature propre ou si les puissances divines qu'ils vénéraient en étaient la cause. Ainsi, il se mit en route pour Asgard, séjour des As. Alors, Asgard, où se situe Asgard? Pour certains, Asgard serait la cité de Troie qui a disparu, on ne sait pas vraiment où elle est. Donc, on situe vraiment Troie ou Asgard, donc sur Midgard, sur notre monde à nous. Moi, je n'aime pas du tout cette théorie, car en fait, ça reviendrait à dire que nos dieux sont tout simplement des humains. Ce ne sont que des hommes, en fait. Asgard, pour moi, est tout simplement dans le monde invisible qui est situé au-dessus du nôtre. Et ce fut en cachette qu'il effectua ce voyage. Il se dissimula en prenant l'apparence d'un vieillard. Mais les As étaient d'autant plus savants qu'ils possédaient le don de divination. Aussi virent-ils son expédition avant qu'il n'arrive et préparèrent-ils à son endroit des illusions visuelles. C'est assez drôle, on apprend que ce roi, eh bien, fait son voyage en cachette. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'en gros, il est parti de son royaume sans rien dire, ou qu'il s'est isolé dans un endroit de son château, comme par exemple sa chambre, et qu'il a effectué son voyage donc, en cachette. Il s'est aussi dissimulé en vieillard. Donc, peut-être qu'il est parti habillé en capuchonné, ou tout simplement, comme je vous le disais, au début de cette vidéo, lorsque l'on part dans une transe chamanique, il est de coutume de se déguiser, de se masquer le visage. Je ne vais pas continuer plus loin, après on a une description du Valhalla, de tout ce que voit donc ce roi, mais vous voyez quand même que on parle de voyage, de dissimulation de visage, d'illusion visuelle. Voilà, moi clairement ça me fait vraiment penser à une transe, à un voyage. Ce roi effectue un voyage chamanique pour monter à travers les mondes d'en haut, les mondes supérieurs, pour rencontrer les divinités. Pour continuer tout simplement ce petit rapprochement, j'aimerais vous parler du dieu Odin. À la base, c'était un dieu de la guerre, mais il est devenu par la suite un dieu de la sagesse et de la connaissance universelle. Qu'est-ce que va faire Odin pour acquérir la connaissance? Odin va tout simplement descendre dans le monde d'en bas, ce monde qui est situé aux racines d'Yggdrasil, où se trouve la source de Mimir. À cette source est donc accrochée la tête de Mimir. Mimir étant, on va dire, la divinité un peu de la sagesse. Voilà, c'est quelqu'un de très très sage. Et Odin d'ailleurs adore s'entretenir avec lui pour obtenir des réponses. C'est là que c'est assez drôle, parce que Odin entretient une certaine relation avec ce guide, ce sage, et il descend donc de son royaume, donc situé en Asgard, et il descend en suivant eh bien, le chemin de l'arbre pour descendre tout en bas afin de s'entretenir avec ce fameux sage. Donc, tout le monde connaît cette histoire. Un jour, il décide de tout simplement boire à la source du savoir, il sacrifie un œil et obtient la sagesse et le savoir universel. J'aime à voir que Odin est en fait un dieu chaman. Il a la faculté de voyager à travers les mondes. Et Odin, eh bien, on le sait, est appelé le voyageur encapuchonné qui change beaucoup son aspect, se transforme et voyage à travers les mondes à obtenir beaucoup d'informations dans le monde d'en bas. On sait que sur son trône, Ildiskiaf, eh bien, il peut voir absolument partout dans tous les mondes. Odin a clairement les attraits d'un chaman, de quelqu'un qui est très sage, qui sait beaucoup de choses, qui voyage à travers les mondes pour avoir des informations. D'ailleurs, on sait que Freya, qui est adepte du Fandseidr, qui est donc la vieille magie des Nordiques, a entraîné Odin à cette forme de magie, donc cette magie qui contient le Galdr, qui sont en fait des incantations. On a également le Spa, qui est une forme de voyance, de transe en fait, qui permet de voir l'avenir. Voilà, Odin a été formé à cette magie par Freya. On sait que cette magie l'affaiblit parce que en fait elle est destinée aux femmes. Je ne sais pas si je vous
vous rappeler, mais dans pratiquement les cultures là que je vous ai lues, beaucoup de femmes sont prédestinées à être chamanes. Peut-être qu'en fait le chamanisme est une forme de magie qui est prédisposée pour les femmes, un peu plus compliquée pour certains hommes. Il faut savoir qu'en Europe, l'inquisition chrétienne a brûlé énormément de femmes qu'on appelait sorcières. Sorcière, c'est un mot qui a été donné par les chrétiens pour diaboliser ces femmes chez nous qui avaient les capacités de soigner avec des herbes, qui avaient les capacités de parler avec les esprits, qui, voilà, c'était nos chamans à nous, c'était nos volvas à nous, et on les a appelées sorcières, on les a brûlées. Voilà, on peut vraiment comprendre que le chamanisme, ou en tout cas cette forme de magie, est un peu réservée aux femmes, ou en tout cas qu'elles ont des prédispositions naturelles, alors que pour les hommes c'est un peu plus compliqué, et Odin en souffre. Et d'ailleurs, Loki l'insulte un peu sur ça, justement, en lui disant que cette magie est faite pour les femmes et que Odin n'a pas utilisé cette magie. Donc voilà. Vraiment, on peut vraiment comprendre que le chamanisme était vraiment présent dans le monde entier, dans toutes les cultures. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de personnes occidentales, d'occidentaux, pardon, qui défendent le chamanisme comme étant la culture des Amérindiens, la culture des Sibériens, que ce n'est pas la nôtre, qu'on n'a pas à en faire une appropriation culturelle, qu'il faut les respecter, donc un peu voilà cet esprit bien pensance, et que nous les Blancs, ben, on n'est que des gros connards qui les avons massacrés, chose qui est vraie, sauf que ce n'est pas nous les Blancs, eh bien ce sont les mêmes inquisiteurs qui dirigent le monde aujourd'hui. Ces gens qui sont coupés de la vraie connexion avec la nature. Et voilà, il faut accepter aussi qui on est. Il faut accepter notre héritage qui vient des Celtes, des Germains. Le chamanisme est bel et bien quelque chose qui nous appartient aussi. Il appartient à tout le monde. Les grands criminels qui ont massacré les Amérindiens, qui les ont parqués dans des réserves, qui ont réduit à l'esclavage le peuple africain et qui leur ont imposé le christianisme comme leur religion aujourd'hui, ou en Asie, pareil, qui ont importé le christianisme, voilà, c'est eux qui ont détruit le chamanisme, qui l'ont rendu à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire la plupart du temps pour des charlatans ou quelque chose qui est juste une culture ancienne bien à eux. Enfin voilà, arrêtez de croire comme ça, allez chercher plus loin. Les vraies réponses, moi je dis souvent, elles sont dans les livres, c'est vrai, mais les vraies réponses, elles sont dans les mondes, dans le monde invisible. Si vous voulez des réponses, les amis, essayez de simplement de voyager. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était New Pagan. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de la nature. Que les dieux vous gardent. À la prochaine.